Parlons santé présent avec la visite du chef de ce département au Laboratoire national de santé publique. L'ENS Ebgo a pu toucher du doigt les réalités de cette structure qui vient de se doter d'un plan stratégique de développement. Yolande Lompo. La politique de développement 2014-2023 et le plan stratégique et opérationnel 2014-2018, deux documents désormais entre les mains du ministre Liné Sebgo en vue du renforcement des capacités techniques du Laboratoire national de santé publique et de l'accroissement de ses capacités financières. Une remise qui intervient après la visite des services de la Direction des contrôles de médicaments et des produits non alimentaires et ceux de la Direction du contrôle des aliments et de la nutrition appliquée. Nous avons procédé à la visite des locaux pour nous assurer que les équipements qui étaient attendus pour accompagner le laboratoire sont bien arrivés. Vous avez dû voir des équipements tout neufs. Naturellement, ça coûte cher, mais nous travaillons à élargir encore leurs capacités. Analyser, contrôler, surveiller pour protéger et servir est le credo de ce maillon essentiel dans la chaîne de protection sanitaire créée en 1999. Et pour mieux mener à bien ses missions, selon ses agents, leur plan de carrière devrait être revu. Vous savez, notre laboratoire est un des laboratoires les mieux qualifiés d'Afrique de l'Ouest, je dois le dire sans peur, sans modestie. Et le personnel qui est là peut être sujet à de nombreuses propositions, les unes plus alléchantes que les autres. Donc si nous ne veillons pas à faire en sorte de rassurer le personnel qu'il peut rester sur place au Burkina, dans ce laboratoire, continuer à travailler et être dans des conditions de vie acceptables, naturellement on va assister à un perpétuel recommencement parce que nous aurons encore une forte mobilité du personnel. C'est pour cela que le plan de carrière, nous devons l'examiner avec beaucoup d'attention, mais en tenant compte aussi du statut du laboratoire. Candidat à la certification OMS, le Laboratoire national de santé publique travaille en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.